À propos de nombre et de points sur une droite graduée. Alors, droite graduée, c'est une droite sur laquelle on a choisi un point qu'on appelle ici O, associé au nombre 0, puis un point appelé ici U, associé au nombre 1. On peut faire varier l'écart entre O et U, c'est l'unité de longueur qui change. La droite est orientée ici de la gauche vers la droite, la flèche l'indique. De la gauche vers la droite, les nombres vont en croissant. Rien n'empêche d'orienter la droite dans l'autre sens, mais ce n'est pas l'usage. Si on fait ce dessin sur une vitre, on peut aller voir de l'autre côté, la droite sera orientée comme d'habitude. Des nombres qui s'écrivent avec le dénominateur 6, par exemple 4 sixièmes ici. Alors simplifiable, c'est 2 tiers. La division ne tombe pas juste. Ce nombre n'est pas décimal. Alors un nombre qui s'écrit avec une fraction, voilà des exemples, est un nombre par définition rationnel. Il se peut que ce nombre rationnel soit décimal comme ici. La division tombe juste. Il se peut même que ce nombre soit entier. Le rationnel 12 sixième est décimal entier. On peut toujours dire que 2 c'est 2,0, 2,0 par exemple. Alors un petit jeu, on propose de repérer, de placer A en dessous, là, le point A, pour que son abscisse soit 4 sixièmes. Alors je reviens à 0, 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, c'est fait 2 tiers, valider, oui. Alors on peut jouer à d'autres jeux, moins 4 sixièmes. Moins 3 sixièmes, etc. Nombre avec dénominateur à choisir. Par exemple, je prends 12 et le numérateur peut être choisi. Alors même chose, on voit des douzièmes qui peuvent être des nombres décimaux comme ici. Et même entiers. Pour les négatifs, pareil, voici par exemple moins 16 douzièmes qui est au moins 4 tiers, c'est un nombre décimal, la division ne tombe pas juste. Alors on demande de placer le point A pour que ça corresponde à moins 16 douzièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Valider, c'est bon. Des nombres que l'on ne peut pas écrire avec une fraction, on en connaît quelques-uns dès l'école primaire et le collège. Par exemple, la longueur d'un cercle de diamètre 1, c'est le nombre pi, on sait que c'est à peu près 3,14. On peut donner un nombre de chiffres beaucoup plus grand. Mais la division, si vous voulez, il n'y a pas de division qui tombe juste. Hein, ce nombre ne peut pas s'écrire autrement que pi. On peut donner une valeur approchée comme 3,14. De la même façon, lorsque on étudie le théorème de Pythagore, on introduit des nombres comme racine carrée de 2, qui est la diagonale d'un carré de côté 1.
Et racine de 2, on montre que ça ne peut pas s'écrire avec une fraction, avec une que l'on peut donner que des valeurs approchées, comme 1,414 qui est connu. De même pour racine de 5, par exemple, ici. C'est à peu près 2,236. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que à chaque nombre non rationnel, qu'on ne peut pas écrire avec une fraction, chacun de ces nombres qu'on vient de voir correspond à un point et un seul de la droite graduée. Les nombres en rouge sont des nombres négatifs. Ensemble de nombres. Alors on a ici 8 nombres en rouge négatif, 8 nombres en bleu positif, plus le 0 qui est à la fois positif et négatif. Ces 17 nombres sont rangés dans l'ordre croissant sur la droite graduée. Alors il y a des nombres rationnels et il y a les autres. L'ensemble qui réunit les rationnels et les irrationnels, c'est l'ensemble des nombres réels, dont on a une image ici. À chaque nombre réel correspond un point de la droite graduée et un seul, et à chaque point d'une droite graduée correspond un nombre réel et un seul. Alors, des précisions de vocabulaire qu'on rencontre couramment, les entiers naturels sont désignés par la lettre N, 0, 1, 2, 3. Les entiers relatifs, ça veut dire positif et négatif, sont désignés par la lettre Z. Les nombres décimaux qu'on peut écrire avec une virgule ou un point décimal ici, qu'on peut écrire avec un point décimal, sont les nombres décimaux. Les nombres rationnels, ceux que l'on a vu qu'on peut écrire avec une fraction, sont désignés par la lettre Q. Enfin, l'ensemble des nombres rationnels et irrationnels est désigné par la lettre R pour réel. Alors, ce sont ces nombres réels qu'on connaît jusque la terminale en France. On peut ranger ces nombres en montrant que N, assimilé à l'ensemble des relatif positif est inclus, est une partie de Z. Z est inclus dans D, D inclus dans Q et Q inclus dans R. Voilà les différentes extensions de nombres qu'on voit au collège et au lycée. On peut reprendre ce petit programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.